Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 28 ans, je suis infirmière à l'hôpital Saint-Joseph depuis 2013. Service, on prend en charge les patients atteints de cancer, comme les cancers digestifs, les cancers du sein, le cancer du pancréas. J'ai effectué ma formation infirmière à l'EFSI Saint-Joseph. Le métier d'infirmière consiste à prodiguer des soins techniques comme une perfusion sur un PAC ou une prise de sang. Il y a aussi un rôle propre comme l'écoute active ou la prévention des escarres où on masse le patient. Dans le métier d'infirmière, on a aussi la communication qui est très importante, la communication avec les autres infirmières, l'équipe de jour et de nuit, ou encore les médecins, ou tout le paramédical, les aides-soignantes, les agents hospitaliers, les kinésithérapeutes. Ce qui me plaît le plus dans le métier d'infirmière, c'est le relationnel, être à l'écoute des patients, les accompagner. Ce qui me touche dans mon métier, c'est d'avoir des remerciements de la famille ou des patients. Ça me permet d'avoir une reconnaissance. Ça me montre que je suis utile au quotidien et que je prends soin des patients, comme il faut. J'ai un objet insolite qui ne me quitte jamais, c'est mon sparadrap. Parce que je suis toujours en train de coller des choses sur mes protocoles, donc du coup il me faut absolument ce sparadrap dans la journée.